de taxi, empocher des sommes qui pourraient te payer un appart pour la semaine. Tu vois de gros salopards graisseux dépenser leur salaire pour une cavalcade de 5 minutes et demie. Oh, tu es tellement agacé, c'est juste, n'est-ce pas? L'une des conséquences curieuses de la vie de vagabond, c'est qu'elle rend affreusement, terriblement social. Et voici un deuxième écheveau d'ennui à démêler. La place de la ville, la place de la ville. Cette profonde apnée urbaine jusqu'à ce que tous les merdeux visqueux au visage poupin, aux cheveux collinés, aux sous-vêtements propres jaillissent en mode hors de leur restaurant, théâtre, cinéma, pub, boîte de nuit, autre claque. Pas de problème, tu vas le démêler, c'était chez vous. Pas de problème, tu vas le démêler, c'était chez vous. Car tu es plein de ressources. Tu rêves d'argent, de nourriture et de la chaleur. De la grande normalité parisienne. De la grande normalité parisienne. Attention mec, résiste à cette faible tentation. Espèce de salopard. Du calme, de la réflexion, un endroit où amener ton pauvre esprit pour qu'il oublie tout. Un endroit sans tentation, une autre gare. Mais oui, c'est ça, une autre gare. Il y en a tellement, évite néanmoins les gares modernes, trop propres et brillamment éclairées. Pourquoi ne pas t'offrir un café? Voilà, il te délaisse un cinquième de ta fortune. Voilà, il te délaisse un cinquième de la fortune. Mais qui est donc la vie sans un petit plaisir de temps à autre? Savoure sa chaleur amère avec ferveur et tire quelques bouffées en amateur. Mais attention avec les clopes. Mais attention avec les clopes. Gère consciencieusement. Gère consciencieusement ta pauvreté. Gère consciencieusement ta pauvreté. Vide ta tasse, engloutis tout. Engloutis tout. Café tabac. Café tabac. Café tabac. Bien, pas vrai. Mais oui. Mais oui. Ah, sale petit écervelé. Voilà que tu commences à te sentir un peu mieux. Tout à coup, tu baignes dans une modeste mare d'optimisme délirant. Tu te sens jeune, de nouveau plein de vitalité et de ressort. Cette putain d'adrénaline brise ses chaînes et se met à vagabonder parmi tes organes. Tout requinquant, tu commences à zioter les gonzesses. Quelle nana, faite, bourrée aux as, sophistiquée, fadrouilleuse. Malgré ton air miteux, tu as le plein de yades ravageuses. C'est rigolo mais dangereux. Allez, songes-tu ravissante petite bombe sexuelle que tu es? Quelqu'un va forcément te draguer. Une pulpeuse professionnelle, quadragénaire, avec un penchant pour le genre jeune ouvrier. Le genre jeune et déglingué. Le genre jeune artiste, n'importe quel genre, la vache. Tu réunis tous les genres à toi tout seul. Une divorcée peut-être, avec plein de fric et une jolie frange. Elle t'offre un pieu et un lieu. Tu crois toujours à ces distingués bienfaiteurs, à des hommes miraculeux et planichards. Où sont donc partis tous les Deus Machina? C'est de ça dont tu as besoin. C'est de ça dont tu as besoin. Voilà, sortant de la cohue et marchant vers toi. Elle sourit, c'est beau, c'est jeune et pauvre. Tu as faim et froid. Je suis très belle, je suis riche. Je mange à ma faim et j'ai bien chaud. Accompagne-moi jusqu'à ma demeure où je te donnerai le confort, le vivre et le couvert. Où je te câlinerai jusqu'à tes soifs. Est-ce vraiment le genre de choses que tu cherches? Est-ce à cela que tu rêves? Toi, le roi de la fantaisie. Désires-tu honnêtement toutes ces fadaises? Non, par bonheur, toutes ces hypothèses.